Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée décisive aujourd'hui. Une journée exceptionnelle aussi aujourd'hui parce que j'ai 45 ans et on ne sent pas pour l'instant les effets de l'âge parce que comme là, notre espérance de vie a augmenté, c'est comme si j'avais 30 ans. Donc ça c'est cool. Allez, j'espère que vous avez bien dormi comme moi. Donc aujourd'hui décisive parce que on va chercher le béryl en exclusivité. Il nous manque plus que ça pour terminer nos trois commandes. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, direction Démare, où on aura plus de chances, je pense, de trouver du béryl que sur Céline. Direction Démare. On va refaire le plein. Là-bas, Crusader. On la voit bien. Allez, on est parti. Allez, go, alors. Wolf Point. On va aller sur Wolf Point. Allez, on y va. Donc alors, non, de l'obsidienne, ça a peu de chance d'en avoir. C'est plutôt dans du quartzite. Ah si, quand même, l'obsidienne. Il y en a de l'obsidienne aussi. C'est bon à savoir. Voilà, il y en a qu'un malheureusement. 17%, c'est bien. Ok. Corndom, il n'y a pas de béryl. Ici, 37% de béryl. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a récupéré dans celui-là?
Ici. 49 de béryl, on prend. Après. 64 de béryl, on prend. Ensuite, là. 27 de béryl, 400 kilos. On va le fracturer. Alors, 75% de béryl. Ok, ensuite, du diamant, ici, 95 de béryl, on prend. Ok. Ici, diamant 100% non. 7 de béryl non. 100 de diamant non. 100% de diamant non. 43% de béryl. Ici, que de l'inerte. Couronne d'homme, non. 20% de béryl encore ici à fracturer. Ok, alors 29 de béryl ici, 32 de béryl, 29, on va le prendre. Ensuite ici. 15 de béryl, non. 21 de béryl, non. Non. 39 de béryl. Et là, non. Ouais, ça a l'air pas mal là. Est-ce que c'est ça le cluster là? C'est le cluster là. Est-ce qu'il y a du béryl dans tout ça? Ça reste à voir.
10% de béryl. Important ici, intéressant. Alors, bon. Quartz inerte, non. Ici. Quartz inerte non plus. Ici. 56 de béryl. 300 kilos, c'est pas mal. Non. Ici, encore 48 de béryl. Allez, 500 kilos. On va bien avancer avec ces deux-là. Alors. Alors, quartz inerte, non. Béryl, 52%. On prend. Huit SCU déjà. Il nous reste 39. 87% de béryl ici. Très très bien. 11 béryl, 11 SCU de béryl. 100% de béryl, ah oh, très bien, 100 kilos. Et là, le dernier, 64 de béryl, 117 kilos, très très bien. Allez go, on continue. On a plus de chances d'en trouver dans du quartzite que dans. Hop, hop, hop. Ah, il y a pas mal ici de cailloux là. De là, cette tonne, ah, c'est pas mal, ça peut être pas mal.
Là, c'est du gros, là. Allez, ça vient bon. Allez, on y est presque. Allez, un petit effort. Voilà, enfin. Voilà, nickel. Alors, on va prendre la derrière. Béryl 6%, non. La 19 de béryl ici. Ok. Donc 100% d'inerte ici, non. Là, 7 de béryl, non. Ici, 40 de béryl, allez. Presque 17 de béryl. 30% ici. Non, ici. Non, c'est nul. Là, 4,77 de béryl. Une tonne. Alors ensuite, là-haut, ah, 13 de béryl, c'est pas beaucoup. Pour cent d'inerte. Dix-sept de béryl là. Ok.
41% de béryl, on prend. Ah, je suis plein. Ok. Ok. Il y a d'avoir moins de monde aujourd'hui. Hier après-midi, il y a eu pas mal d'activités. Allez, bon, j'ai le vaisseau comme d'hab. Voilà, comme ça on est safe. Pardon, monsieur. Allez. Allez. Donc que béryl. 17 SCU de béryl. Je vais le mettre en rapide. 17,77, ça nous donne 16,69. Ok, je confirme. C'est parti. C'est parti. Au revoir, au revoir. Allez, on y va. Bon. Alors. On va retourner sur Wolf Point. Il faut prendre un OM. Là, l'OM1. Alors, Wolf Point. Là, ici. Ici, Wolf Point. Allez, c'est parti.
Alors, de l'obsidienne encore. Ouh, 32% de béryl sur 5 tonnes 9. Ah, peut-être avoir nous sans notre. Remplir entièrement la soute. 32% de béryl, c'est très très bien ça. Allez, on va essayer de prendre que du 100%. Ça serait cool. Faut que je regarde, faudra que je regarde après les autres cailloux, les autres rochers, combien ils sont. Tonnes, 32%, ça fait 2 tonnes quasiment. Ouais, c'est possible. Si on a de bonnes proportions, ça pourrait être bien. Ça pourrait le faire. Voilà, on s'en sera pas loin. Parce que là, il nous en manque 30. Si on arrive à remplir entièrement la soute. Ça sera peut-être suffisant. Donc alors, ensuite, on va commencer par celui-là. 61% de béryl. Allez. Ah, je sais pas si on aura les 100%. Ça va être chaud. Là, 61% de béryl. Je crois qu'il faudra que je fasse un troisième voyage. Là, on a quoi? Ah, voilà, on l'a un de 100%. Ok, ça... si là on prend, c'est sûr. T'as 90% de béryl, 100% d'inerte, corne d'homme diamant, non. Non. Ici. 99% de béryl. OK. Ici, non. De corne d'homme, non.
Ah, encore 100% de béryl ici. Allez, on va prendre celui-là. De béryl, 10 SCU de béryl, pardon. Allez, encore un lot. Nickel. Allez. Faut que je regarde les autres cailloux. Peut-être qu'il y a encore des grosses quantités de béryl. 71% de béryl. Ensuite, ici, celui-là. 11% de béryl. Alors, ensuite. Là encore un 26% ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? % d'inert. J'aurais bien voulu que ce soit de l'ubéryl à la place. Alors ici. Ici. Ok. Alors ensuite. Ah, 100% de béryl. Et non, ah. Il me prend le mauvais là. Là, ici.
41% de béryl, non. Ok. Alors ici. Non. Ici. Non plus. Ici. Non. Ici. Non. 800 kilos, 15%. Allez. Ok. Non. Ici. Non. Non plus. Non plus. Cherchez 100% de béryl. Hein. Ici, non. Vingt-trois pour cent de béryl. On va tenter celui-là. Bon, pour l'instant, on est bien parti. Quarante-deux pour cent de béryl, allez. On va essayer. Alors, non, ici, 72 de béryl, non. Si vraiment j'arrive pas à avoir les 100%, bah je taperai dans ceux avec les meilleures proportions. Béryl 12%.
Alors, donc, ici, Biril, non. Non. Cent pour cent d'inerte, non. 54 de béryl, allez. On va tenter. 700 kilos. Alors, il y aura du 100% là, c'est pas possible. Ah voilà, hop là. 150 kilos. Allez, on va essayer. Il y a des chances. On a peut-être une chance. Sachant que j'en ai encore à faire. J'ai pas encore regardé. 7 de béryl. 21 de béryl ici. Allez, on tente. Donc alors, non. Ici, non. Non. Et ici, 77 de béryl. Non. 39 de bexalite. Non. Ah, ça va être chaud. Béryl, 14%, 3 tonnes. On va bien voir. Donc là, 25% de béryl à refracturer, on verra après. Ici. Non. Ici. 17 de béryl, 400 kilos. Ici. 10%, 500 kilos. Allez, on va tenter celui-là. 500, 700 kilos. 25%. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Alors celui-là. Non.
Ici, non. 62 de Biril, non. Non. Encore un ici, là. 16 à fracturer, 16% sur 350 kilos. Alors, ici, non, Ephaestanite, non, 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 mais encore celui-là. Alors, non, ici, non, 49,99%, non. Alors, il n'y a rien d'intéressant. Celui-là. Intéressant celui-là 7% de béryl, c'est pas énorme. Celui-là non, celui-là non. Bon, tant pis, on n'aura pas nos. Je vais récupérer tout ce qu'on peut ici. On va prendre les plus gros. Je n'avais rien dedans. Ah, ça marche plus. Tant pis, on va prendre cela. De toute façon, je sais qu'il y a du. Ouais, ici. Le béryl, ça monte, ça monte, ça monte. Cinq quarante-sept
Beryl. Là, non. Voilà. 25,71. Alors, on y va. Finding everything all right? Rapide aussi. Donc 24,42. Ah, ils en manquent pas beaucoup, hein. Soit on va être à 64,30 sur 70. On va devoir faire un tout petit voyage sur démarre pour terminer la commande. Allez. Comme ça, on pourra aller tout ramener de tout à l'heure. Quand tout sera passé, on sera tranquille. C'est parti. Allez, go. Allez, on arrive. Donc, il manque 8 SCU pour être sûr. 8 SCU de Beryl. Alors, ensuite, sur Boyoz. Allez, c'est parti. Il y en a déjà un là. On va voir ce que c'est.
Ok. C'est bien ça. Ok. Alors, obsidiane. Oh, bah voilà. 23 de béryl. Juste ce qu'il me fallait. Allez. On a fini. On va juste récupérer 8 SCU et ça sera bon. Celui-là. Une tonne 4, 43%. Il doit bien y avoir 8 SCU là-dedans. Alors, 240 kilos. Déjà 2 SCU ici, que de l'inerte. Ici. Non. C'est nul. Pour son béryl ici, 4% de béryl. Celui-là, 82% de béryl. Bon, déjà 6 de béryl. Ah, 7,33, on est presque. Inerte, non. Ah, il y en a un là. 98% de béryl. Voilà, c'est bon. C'est suffisant, 9,50 de béryl. Allez, on y va. Allez, à tout de suite. Thank you.
Voilà. On est bon. Allez, on va ranger le vaisseau pour la pause déj. Et pour qu'il décharge le restant. Voilà. Allez, go. Allez. Donc le béryl. On va mettre en vitesse rapide, bien sûr. En pyrométrique. Ah, ça nous donne 9. 1h44. Ok, très bien. Ok, bon. C'est nickel. Bon, bah du coup, je vais aller prendre mon repas, prendre ma pause. Pour mon anniversaire, je vais avoir le droit à un bon gueuleton. Et ça, c'est cool. Donc nous, on se donne rendez-vous donc tout à l'heure, cet après-midi, pour la suite. Et pour aller livrer toutes les commandes, il faudra aller chercher... Il faudra aller chercher le Freelancer Max du côté de Durston et là. On va faire le voyage avec le Prospector. Comme c'est le seul vaisseau que j'ai disponible. Et moi, je vous dis donc à tout à l'heure. Portez-vous bien. Bonne pause déj. Et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon appétit.